Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'incarcération ce mercredi en Australie du cardinal George Pell, c'est le choc et l'incompréhension chez les fidèles australiens. Nous entendrons l'appel de Mgr Gollnisch pour les populations syriennes, le directeur de l'œuvre d'Orient est actuellement en visite en Syrie, et puis un reportage avec les membres du CMR, les chrétiens dans le monde rural, ils ont assuré aujourd'hui une présence au salon de l'agriculture. La rencontre sur la protection des mineurs au Vatican a marqué l'actualité ces derniers jours, après les multiples révélations de ce scandale. Alors dans ce contexte, comment relayer et ne pas oublier les autres actualités qui montrent un tout autre visage de l'Église? Sont-elles encore audibles? Deux éditorialistes de la presse chrétienne échangeront sur cette question. Ce soir, Marie-Yvonne Buse de Pèlerin et Aymeric Pourbet de France Catholique. Et on commence ce journal avec l'appel de Mgr Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient depuis la Syrie. Il demande la levée des sanctions économiques prises par les États-Unis et l'Union européenne contre Bachar al-Assad depuis le début de la guerre en 2011. Mgr Gollnisch constate que les sanctions pénalisent d'abord la population syrienne. Actuellement en visite en Syrie, il s'inquiète particulièrement de cette situation. On l'écoute. Il n'est pas de mon rôle d'intervenir sur les questions politiques. Moi, je suis simplement témoin de la souffrance du peuple syrien. Il y a un embargo qui a été décrété contre la Syrie. Je souhaite m'entretenir avec les autorités françaises dès mon retour pour voir s'il est pertinent de faire souffrir encore le peuple syrien après 9 années de guerre qui vient de passer, en lui imposant un embargo dont le seul effet sera de faire souffrir encore davantage ce peuple syrien si éprouvé. Donc nous avons été des témoins émerveillés de ce que les jeunes adultes veulent vivre et veulent vivre en Syrie et veulent pour cela prendre l'initiative communautaire de regarder l'avenir, de trouver comment chacun va pouvoir trouver sa place et sa voie. Et ça, c'est pour nous extrêmement important. C'est l'élément fort que nous gardons de la Syrie. Et puis j'ajoute que les évacuations de civils, des femmes et des enfants se poursuivent dans le dernier village encore tenu par Daesh, le village de Baghouz, situé à proximité de la frontière irakienne, avec toujours l'espoir d'y retrouver des étages chrétiens et yézidis, dont le père Dal Oglio et deux évêques orthodoxes. Toujours au Moyen-Orient, mais en Irak cette fois, une deuxième messe depuis la fin de la guerre a été célébrée dans l'église Saint-Thomas de Mossoul, qui porte toujours les stigmates des bombardements. La célébration eucharistique a été présidée par Mgr Moshe en présence de Mgr Najib, nouvel évêque de Mossoul, dans son homélie. Mgr Moshe a dit toute son espérance de voir les chrétiens revenir à Mossoul. Le 7e congrès mondial contre la peine de mort se déroule depuis mardi au Parlement européen à Bruxelles. 1500 participants de 115 pays, témoins, politiques, militants, avocats et d'anciens condamnés ayant échappé à la peine capitale plaident pour l'abolition de la peine de mort. 642 pays dans le monde ont aboli la peine capitale. Près de 1000 exécutions ont été enregistrées en 2017 dans 23 pays, avec une majorité en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak et au Pakistan. Mardi, lors de l'inauguration du congrès, un message vidéo du pape François a été diffusé et largement applaudi. Je vous le rappelle, en août dernier, le pape avait fait inscrire dans le catéchisme de l'Église catholique que la peine capitale est inadmissible. C'est ce qu'il a rappelé mardi dans son message, on l'écoute. La vida humana es un don que hemos recibido. El más importante y primario, fuente de todos los demás dones y de todos los demás derechos. Y como tal necesita ser protegido. Además, para el creyente, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero tanto para creyentes o no creyentes, cada vida es un bien y su dignidad debe ser custodiada sin excepciones. La pena capital supone entonces una grave vulneración del derecho a la vida que tiene toda persona. On vous parlait mardi de la condamnation du cardinal George Pell, numéro 3 du Vatican, par le tribunal de Melbourne pour agression sexuelle et attentat
à la pudeur. Hier, sa demande de mise en liberté a été rejetée. Il reste donc incarcéré en attendant le 13 mars, jour où sa peine sera prononcée. De son côté, le Vatican a annoncé mercredi matin l'ouverture d'une enquête canonique. Une fois la procédure civile terminée, le Saint-Siège a aussi précisé que le cardinal Georges Pell n'était plus le préfet du secrétariat pour l'économie du Saint-Siège depuis le 24 février, date qui marquait la fin de son mandat officiel. Le cardinal Pell continue de clamer son innocence. Il va faire appel de la décision. En Australie, c'est le choc et l'incompréhension pour les fidèles. Nous avons contacté Jess Leach, une catholique engagée dans la ville d'Hobart, au sud de l'Australie. I would say that there's a lot of shock and a lot of sadness and a great deal of concern amongst Catholics in Australia that the justice system be able to produce justice. Obviously, the process hasn't ended because the cardinal is still intending to appeal and still protests his innocence. And for many Catholics in Australia, there is even secular commentators who say this, it seems that the case was so difficult and improbable that we do want to wait for the appeal because it seems that that's a very important part of the process. Au Vatican, le cardinal Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé, s'est exprimé hier sur un sujet assez méconnu, la situation des enfants de prêtres. Le cardinal a donné une interview à l'Osservatore Romano, qui a été relayée par le Saint-Siège. Il y a 10 jours, le New York Times révélait l'existence d'un document interne à la Congrégation pour le clergé sur ce sujet. Il avait alors été présenté comme un document secret, ce que le cardinal Stella a voulu contester en exposant les grandes lignes publiquement. En tous les cas, la position de l'Église est clair. Si un prêtre a un enfant, il doit être disponible au plus vite pour le bien de l'enfant. C'est ce que nous précise le père Louis Mainviel. Il travaille à Rome à la Congrégation pour le clergé sur toutes ces questions. Évidemment, on va inviter le prêtre à réfléchir de manière à ce qu'il fasse la demande de lui-même. C'est extrêmement important parce qu'il faut qu'il comprenne qu'il doit porter sa responsabilité. Il a mis un enfant au monde, c'est un don de Dieu, l'enfant. Et quand on le relève de l'état sacerdotal, c'est pas une punition, c'est simplement c'est qu'on le met devant sa responsabilité paternelle. Alors, si vraiment il refuse, à ce moment-là, l'Église a le devoir de protéger les plus faibles. Et donc, on dit au prêtre, on est désolé, mais vous ne pouvez plus continuer à exercer le ministère parce que vous devez vous donner à votre enfant. Étant donné que, dans l'Église latine, le ministère est incompatible avec la dimension qui irait contre le célibat sacerdotal. En France, maintenant, cela ne vous a pas échappé. Comme chaque année, à la même époque, l'un des événements majeurs et attendus, c'est le Salon de l'agriculture. Pas de délégation d'évêques cette année, même si certains s'y sont rendus à titre personnel, comme l'évêque auxiliaire de Versailles, Mgr Valentin. Des membres du CMR, les chrétiens en monde rural, ont installé un stand ce jeudi dans les allées du Salon pour proposer notamment des pistes de réflexion pour une profession en souffrance. Veaux, vaches, cochons sont réunis au Salon de l'agriculture à Paris pour le bonheur des visiteurs et des agriculteurs qui partagent leur passion. Une passion qui n'est pas si facile à vivre. On travaille avec du vivant, donc le vivant, ça alterne des bonnes périodes, des moins bonnes périodes, des mauvaises périodes. C'est jamais un métier facile, mais il devrait être encore mieux considéré. Notre métier est très 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 méconnu. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on est prêt à faire, de la qualité qu'on leur fournit. Aujourd'hui, on se pose aussi des questions quand on voit le temps qu'on passe sur nos exploitations et puis la rémunération qu'on peut en tirer. Des réflexions dont on discute aujourd'hui au Salon sur le centre des chrétiens dans le monde rural. On a les oreilles ouvertes, les yeux ouverts et les oreilles ouvertes et des jambes pour aller rencontrer et mettre les gens en lien avec d'autres. Voilà, c'est ça notre rôle. C'est être là, écouter, être là et donner des pistes. Présent dans plus de 80 départements, le CMR s'adresse aussi aux consommateurs. On a réfléchi depuis plusieurs années sur notre façon de consommer, notre façon d'habiter la terre, quelle économie on veut développer, et tout ça, et puis aussi le bien-être des personnes. Et donc on a besoin d'être ici pour pouvoir dire que ça fait partie de nos convictions. Dans la lignée de Laudate aussi, le CMR prépare une université d'été au mois de juillet.
Hier à Châlons, en Champagne, le tribunal a condamné un couple de septuagénaires à 3 mois de prison avec sursis, 500 euros d'amende, obligation d'afficher la décision de justice en mairie de Baille et 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse. Ils avaient accusé le père François-Jérôme Leroy, alors père du foyer de charité de Baille dans la Marne, d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Après enquête, le 29 octobre dernier, non seulement le parquet de Châlons classe l'affaire sans suite, mais décide également de poursuivre les époux Martin pour dénonciation calomnieuse. Chez nos confrères de l'Express, le procureur de la République a confié vouloir réhabiliter le père Leroy. Il ajoutait que punir les fausses accusations contribuait à la protection des victimes d'abus sexuels. Les foyers de charité avaient publié il y a quelques jours un communiqué souhaitant que la justice puisse faire son travail jusqu'au bout, tout en réaffirmant leur volonté de lutter contre toute forme d'abus. La DMD, une association qui revendique la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, instrumentalise-t-elle le grand débat national ? C'est en tous les cas ce que dénonce Alliance Vita, qui a déploré hier dans un communiqué l'organisation de réunions publiques par cet organisme, labellisé Grand Débat National, où l'on promet l'euthanasie. C'est pourquoi Alliance Vita s'engage dans le Grand Débat National pour porter les réflexions liées à la famille et à la vie. Notre objectif, c'est que les plus défavorisés, les plus fragiles, puissent être pris en compte dans tous ces débats et sur les sujets qui nous concernent autour de la maternité, de la famille, mais aussi de la grande dépendance, des situations de fin de vie et qui sont importantes à prendre en compte aujourd'hui. Tout ça, c'est des préoccupations qui sont remontées dans nos services d'écoute, SOS bébé ou SOS fin de vie. C'est ainsi que nous nous sommes emparés du grand débat national pour faire entendre la voix des plus fragiles dans ce contexte d'arbitrage des finances publiques. Et on poursuit avec la chronique du père de Beuclair. Il revient sur la rencontre internationale pour la protection des mineurs au Vatican. Avec la fin du colloque consacré au Vatican sur les abus sexuels et l'arrivée dans les salles obscures de l'espace francophone du film de François Ozon, Grâce à Dieu, on reparle beaucoup de pédophilie sous nos contrées. Personnellement, moi, ça me recommémore des événements d'il y a près de 10 ans. À l'époque, j'étais porte-parole des évêques et je fus donc un des acteurs qui gérait la démission de l'évêque de Bruges suite à des attouchements sexuels sur 2 neveux. Cette affaire a été comme un tsunami en Belgique. Suite à ça, des centaines, des milliers de victimes ont commencé à parler. Et ça a permis à l'Église de Belgique de faire face et de mettre toute une série de procédures en œuvre pour parer à cet événement. Alors, après 10 ans, eh bien, quand je dois parler de ces événements, il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit, qui commencent tous les 3 par un C. Le premier mot, c'est « cri ». Je crois qu'il faut accueillir et entendre le cri des victimes. Elles sont en souffrance et parfois elles le crient fort et elles continueront à le crier tant qu'elles souffrent. Je me rappelle une dame de plus de 80 ans qui me téléphonait et me cria au téléphone toute sa souffrance. Elle avait été abusée adolescente par son curé et depuis toute sa vie, elle n'en avait parlé à personne. Elle était veuve, elle ne l'avait jamais dit à son mari. Et suite à tous ces événements, elle avait besoin de le dire. Elle me l'a crié au téléphone. Il faut entendre le cri. Le second mot, qui commence par un C, c'est « cadre ». Je crois qu'il faut cadrer les affaires. La pédophilie est un crime qui touche les mineurs, tout le monde le sait. Eh bien, il y a la justice des hommes, et ça doit être cadré dans le cadre de la justice des hommes. Il y a aussi le droit canon, la justice de l'Église, et tant les fauteurs que les victimes doivent pouvoir trouver une place dans le cadre du droit canon. Le troisième mot qui me vient à l'esprit, est le qui commence toujours par un C, c'est celui de Christ. Nous allons bientôt entrer en carême et c'est en nous ressourçant au pied du Christ aussi, je crois que l'Église peut se purifier, se corriger. Personnellement, je crois que c'est toujours les saints et les saintes qui ont permis de faire cela. Et c'est ce que j'invite chacun à faire. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Pèlerin Marie-Yvonne Bus. Bonsoir. Alors, bonsoir, cette Olivier. Semaine, vous nous emmenez en Roumanie. Oui, nous avons un beau sujet de 8 pages. Nous sommes partis avec le CCFD, Terre Solidaire, pour suivre un certain nombre d'associations qui œuvrent auprès des populations roms dans le sud de la Roumanie. On sait que ces populations sont fortement discriminées. Et donc, ce reportage donne à connaître de plus près le quotidien des Roms.
Merci Marie-Yvonne. Aymeric Pourbet, bonsoir. Bonsoir Olivier. Alors cette semaine, vous nous préparez à rentrer en carême. Eh bien oui, puisque ça arrive assez rapidement. Et donc effectivement, on a eu le grand bonheur de voir que pour les fameuses conférences de carême à Notre-Dame de Paris, qui sont diffusées sur France Culture notamment, sur KTO, sur Radio Notre-Dame en différé, on revenait à une formule, une vieille formule qui avait fait ses preuves avec un seul conférencier et un thème extrêmement spirituel. Et donc on a interviewé ce fameux conférencier, le père de Maintière, Guillaume de Maintière, qui a très gentiment voulu répondre à nos questions. Et c'est vrai que voilà, on était très heureux de ce phénomène et on a voulu le signaler pour cette entrée en carême, donc la semaine prochaine. Merci Aymeric. Et bien Famille Chrétienne aussi vous aide à vivre le carême cette semaine avec les enseignements des tout premiers moines en Égypte au 3e siècle. Ils se posaient moins de questions que nous et vivaient la radicalité de l'Évangile. Ce sont leurs enseignements pleins d'humour et de pédagogie que propose Famille Chrétienne cette semaine. Avec la fin de l'État islamique se pose le problème du sort des djihadistes français et de leurs familles. Parfois considérés comme des indésirables, leurs enfants sont aussi des victimes du conflit. L'hebdomadaire La Vie propose un dossier titré « Les enfants de nos ennemis ». Les grands-parents de l'un d'entre eux témoignent. Ces enfants sont innocents, ils sont français. Au lieu de les exfiltrer, on les laisse crever, s'insurge-t-il dans les colonnes de La Vie. Que faire face à la montée de l'antisémitisme, s'interroge Réforme. Comment réagir comme chrétien et citoyen? L'hebdomadaire protestant a interrogé des personnes de confession juive. Elles témoignent de leur peur et ne se font pas d'illusions. Les grandes manifestations peuvent nous réconforter, mais on s'aperçoit vite que ce sont les organisations juives qui fournissent le gros des troupes, reconnaît Claude, de confession juive. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Marie-Yvonne, Aymeric, ravi de vous retrouver sur ce plateau. Alors ce soir, on ne va pas refaire la rencontre internationale sur les abus. Néanmoins, on va s'interroger sur la façon dont ça a pu bousculer votre travail, votre ligne éditoriale. Peut-être une première question. On n'a parlé que de ça cette semaine. Pour autant, vous ne faites pas la une, ni l'un ni l'autre sur ce sommet. Pourquoi ce choix, Marie-Yvonne ? Alors, on a quand même fait un second appel de une, un édito, bien sûr un papier de 2 pages, mais on a surtout voulu se donner le temps d'une enquête qui paraîtra la semaine prochaine. Nous sommes allés sur le terrain, en l'occurrence à Dieppe, auprès des communautés paroissiales de Dieppe, pour savoir comment elles vivaient cette suite d'électrochocs, hein, puisque presque chaque jour apporte un nouveau scandale, et comment il y avait moyen de garder une forme d'espérance vis-à-vis de cette avalanche de scandales. Donc on a voulu se donner ce temps-là plutôt que faire une nouvelle exégèse du sommet. Aymeric, pour vous, le traitement le plus juste hein, de ces scandales, comment est-ce qu'il a été décidé ? Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Gérard Leclerc, qui vient souvent ici dans cette émission, et qui a une forme de sagesse hein, due à son expérience. Et je crois que ces éditos, parce qu'il fait aussi des éditos qu'on reprend sur le site de France Catholique, ont été très appréciés. J'ai eu des témoignages de prêtres me disant « ça m'aide à garder l'espérance ». Vous voyez, je crois qu'effectivement, les catholiques, en ce moment, ils ont besoin qu'on leur dise que oui, l'Église est belle, oui, les catholiques s'engagent d'une bonne manière, même si effectivement il faut reconnaître qu'il y a des brebis galeuses, qu'il y a des crimes qui sont commis, mais ce n'est pas le tout. Voyez, et ça, je crois que c'est très important. Et puis même au plan spirituel, je crois qu'on a besoin aussi de se sentir conforté dans cette espérance. Et donc Gérard Leclerc, il a cette vertu-là, hein, d'une grande fidélité à l'Église, à Rome, au pape, et en même temps, bah voilà, d'entendre aussi les cris de la société et de réussir à faire une synthèse avec tout ça. Et donc c'est formidable parce que effectivement, je crois que c'est vraiment le message que moi j'ai envie de faire passer à travers France Catholique, c'est ça. Hein, c'est qu'il faut ramener peut-être aussi le phénomène à sa juste proportion. Il me semble qu'il y a aussi une déformation médiatique, un effet de loupe, qui fait qu'on a l'impression qu'il n'y a plus que ça aujourd'hui. Il y a aussi, le pape en a parlé dans son discours, une certaine forme d'instrumentalisation de ces événements. Le fait que tous, que ce soit le cardinal Pell, le nonce apostolique, le livre de Frédéric Martel, tombent tous au même moment. On peut poser des questions en tant que journaliste, savoir est-ce qu'il n'y a pas une volonté délibérée derrière. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à apporter, mais je me pose des questions. Et donc je crois que tout ça,
doit nous entraîner aussi à une certaine forme de prudence par rapport à effectivement cet effet de déferlement, cette impression de déferlement médiatique. Marie-Yvonne, peut-être une réaction à ce que vient de dire Aymeric, justement. Alors, sur cet effet. Je suis d'accord avec Aymeric, il ne faut pas alimenter une suspicion généralisée. Pour autant, un scandale, ça éclabousse, c'est difficile de garder une juste proportion ou un équilibre. Il faut savoir quand même appuyer parfois là où ça fait mal. On a suffisamment reproché à l'Église de se taire, de s'être tue pendant trop longtemps, pour ne pas quand même rendre compte des événements. Mais effectivement, il y a aussi une forme d'équité à garder. Il faut pouvoir donner la parole à toutes les sensibilités et également à toutes ces choses formidables qui continuent à se faire, évidemment, au sein de l'Église. Ah, des choses formidables qui continuent à se faire. Alors, il est où, au fond, le juste équilibre? C'est-à-dire pour relayer aussi de façon lisible, de façon audible, tout ce qui se fait de beau dans l'Église catholique, qui apporte des choses. Il est où le juste milieu pour vous ? Déjà, si on reste centré sur les faits dont on parle, ces abus sexuels, effectivement, il faut les rapporter quand ils sont avérés, parce qu'on a parfois l'impression que les médias sont un tribunal qui juge avant même que la chose soit juridiquement passée devant un tribunal en bonne et due forme. Et donc, les droits de la défense, fussent-ils d'un pédophile, ils existent et je crois qu'il faut les respecter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'Express, le journal L'Express, qui s'honore d'avoir publié ce témoignage. Cet article sur, vous en avez parlé dans vos informations, d'un couple qui a accusé de manière calomnieuse un prêtre dans la Marne. Et ça, je crois que là aussi, on est peut-être passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que pendant des décennies, on a fermé les yeux. Aujourd'hui, un prêtre à peine soupçonné est condamné, et je crois que là aussi, il faut qu'on garde, une chose doit être jugée selon les normes de l'Église, selon les normes de la justice civile, mais ça prend du temps, et donc c'est vrai que les médias là-dedans ont un rôle qui, à mon sens en tout cas, est parfois beaucoup trop radical. Voilà, on a entendu la critique d'Aymeric par rapport aux médias généralistes. Une réaction, Marie-Yvonne ? Effectivement, on peut alors ces paroissiens que nous avons interrogés, par exemple la DIAP, nous disent qu'ils ont ce sentiment d'être matraqués, voire harcelés. Mais derrière, ce qu'il faut entendre de plus profond, je crois, et qui est intéressant, c'est ce qu'ils ressentent au-delà de l'indignation, au-delà parfois pour certains de l'écœurement, du décalage entre ce qu'ils vivent eux de beau dans leur foi personnelle, leur expérience de foi, et puis ce qui s'étale effectivement à la une des journaux. Et ils ont besoin d'être accompagnés dans cette espèce d'écartèlement. Vous les accompagnez comment, voilà. Justement, à Pèlerin ? Alors, justement, d'une part, on les écoute. Nous avons des forums, nous avons un courrier des lecteurs. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que chaque fois qu'on publie un dossier un petit peu important sur ce sujet des abus, nous avons aussi des témoignages de victimes. C'est-à-dire que nous avons aussi des lecteurs, parfois très âgés, qui nous écrivent pour nous confier des choses qu'ils n'ont confiées à personne. Donc là, je pense qu'il y a un accompagnement qui va même relativement loin, puisque ça témoigne d'une forme de confiance assez forte vis-à-vis du journal. Et puis, il y a aussi la façon que nous avons dans notre journal, qui a cette volonté d'un éclairage positif, d'un éclairage humaniste sur l'actualité, de montrer d'autres choses. On parlait de notre reportage sur les Roms cette semaine. Il y a tout un travail des associations catholiques, ou de l'Église, ou de particuliers, effectivement, qui permet de dire autre chose. C'est vrai, Aymeric, que certains, on en a croisé, ce sentiment ou cette envie parfois de raser un peu les murs avec tous ces scandales qui éclaboussent l'Église. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à France catholique, avec votre proposition propre ? Écoutez, justement, alors bon, donc il y a le traitement lui-même qu'on essaye de proportionner à sa juste mesure, et puis effectivement, il y a tout le reste, l'Église qui est sainte. Je crois que ça aussi, il faut donner les arguments à la fois intellectuels, théologiques, pour le continuer à le faire comprendre et à le croire pour les catholiques. Donc ça, on s'y efforce. Et puis je crois aussi très important dans cette période-là. Il y en a eu d'autres dans l'histoire, je pense qu'aussi on a le nez dedans, si je puis dire, et donc on manque de recul. Mais si on regarde les périodes de la Renaissance, on peut dire dans l'Église, ça a toujours très mal marché depuis 2000 ans, quelque part. Donc on a l'impression qu'on subit une très grave crise, en réalité, voilà. Et c'est aussi le signe que l'Esprit-Saint gouverne l'Église. Et donc ça, je crois que c'est très important de continuer à montrer des témoignages de sainteté, c'est ce qu'on essaye de faire. Je crois que, pour ma part, personnellement, la seule réponse à cette crise, c'est la sainteté. Notre sainteté personnelle, et le carême tombe à pic pour cela, c'est pour ça qu'on a aussi fait un gros dossier sur le carême à cette occasion, sur la conversion nécessaire, c'est Monseigneur Aupetit qui en a parlé il n'y a pas très longtemps,
en parlant de cette actualité-là. Vous voyez, la conversion, la sainteté, et je crois que ça, ce sont les éléments. Il y a une phrase de Bossuet que j'ai lue récemment qui dit « Quand Dieu efface ou tourne une page, c'est pour en écrire une nouvelle. » Eh bien, je crois que là, on est en train de tourner la page d'une situation, c'est assez pénible, c'est vrai, mais qui est le reflet du passé aussi, d'un certain laxisme, encore une fois, pour sans doute en voir écrire une nouvelle. Et je crois qu'en tant qu'observateur, il faut qu'on soit attentif à ce qui va naître. Et ça, c'est très important. Yvonne. Alors, je crois qu'en effet, c'est intéressant de regarder ça sur, avec une échelle de temps beaucoup plus large. Nous avons rencontré, donc, pour cette enquête de la semaine prochaine, la théologienne Anne Soupa, qui publie « Consoler les catholiques » chez Salvatore, et qui insiste sur cette nécessité du temps long, d'avoir un regard qui permette de se projeter en avant, se rappeler aussi que l'institution ne résume pas elle toute seule la foi personnelle, et que, bien entendu, l'Évangile n'est pas annihilé du jour au lendemain par ce qui trouble et fragilise l'institution. Donc, revenir à l'Évangile, revenir au cœur de la promesse évangélique, ça, évidemment, c'est sans doute l'urgence. Peut-être aussi dans cet accompagnement des lecteurs, puisque le pape nous appelle à une co-responsabilité aujourd'hui, notamment vis-à-vis des abus, mais accompagner cette co-responsabilité, accompagner peut-être une meilleure prise en charge par les laïcs de leur investissement dans l'Église, parce qu'il y a aussi beaucoup de passivité, finalement, chez les laïcs. Émeric, pour conclure, un dernier mot. Annoncer la bonne nouvelle, ça passe par quoi pour vous? Eh ben, ça passe aussi... La sainteté, on l'a entendu. Oui, par la sainteté, mais la sainteté en particulier des prêtres. Et ça, je crois que c'est très important. On a dénoncé, sans doute à bon droit, par moment, le cléricalisme, mais le cléricalisme, c'est aussi celui des laïcs, hein, dans le discours du pape, en tout cas dans la pensée du pape, ça c'est très clair. Et je crois qu'il ne faudrait pas non plus oublier le rôle essentiel des prêtres, qui est quand même de célébrer les sacrements, l'Eucharistie en premier lieu, la confession. Ça ne veut pas dire que ce sont des hommes au-dessus des autres, mais ils ont quand même un rôle à part, ils sont sacrés à part, c'est ça que ça veut dire, étymologiquement. Et donc, on ne s'en sortira pas, je dirais, l'Église ne s'en sortira pas sans les prêtres. Donc je crois qu'il faut aussi les encourager à notre niveau, dans notre paroisse, à travers nos médias, parce que la plupart, et le pape l'a redit dans son discours dimanche dernier, la plupart sont des prêtres qui se dévouent, qui sont zélés, qui sont des apôtres, et il faut les soutenir, parce que je pense qu'en ce moment, le plus difficile, c'est pour eux. Merci beaucoup, Émeric, merci beaucoup, Marie-Yvonne, d'avoir chacun partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, demain soir, la diffusion de l'émission « Sans langue de buis ». À 20h40, le père Lombardi, modérateur du sommet sur les abus, sera sur notre plateau avec, pour faire le bilan avec une victime d'abus et des experts. En attendant cette émission, vous pouvez revoir sur notre site internet www.kto.tv.com cette émission à la source. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.